Alors voilà, là, nous sommes devant le cas type de la problématique d'aller quelque part. Et ça devient, ça c'est intéressant de le voir. Donc en fait, l'objectif c'est d'aller voir les loutres. Voilà. Et alors voilà l'accès, comment c'est fait. Là, on est en surplomb, enfin je suis en surplomb. On a un escalier pour pouvoir descendre. Je rappelle que je suis en fauteuil roulant. Ensuite, en bas, c'est des gravillons, soi-disant. On va aller voir. Enfin, je vais aller voir ça tout de suite. Voilà. Et de l'autre côté, un autre escalier. Ce qui veut dire que pour pouvoir aller là-bas, il faut que l'on fasse tout le tour. Enfin, il faut que je fasse tout le tour, comme ça. Que je prenne le chemin qui est en face. Que je roule ici. Et que je reparte là-bas. Alors c'est parti mon kiki. Donc je vais me faire pousser de façon à ce que on puisse filmer les embuscades. Première embuscade. Allez, on est parti. Tant que ça roule. Hein. On va pas. On est d'accord. Après, ce qui est intéressant, c'est de voir quand je vais pousser, quand je vais. Parce que là, sur le macadam, bon, il n'y a pas de souci. Je peux rouler tout seul. Maintenant, ce qu'il faut voir, c'est comment ça roulerait éventuellement. Alors, il fait très beau. Là-bas, il y a le port avec tous les bateaux et les grues. Là, il y a un espace pique-nique. Alors, l'espace pique-nique, manifestement, il y a une rampe d'accès pour les fauteuils roulants. Là, on arrive sur... une partie qui descend bien, mais ça se fait assez bien, puisque du coup, il suffit de freiner ou d'aller moins vite. Donc là, il faut tourner à gauche. Voilà. Et là, c'est là qu'il faut pas qu'il y ait de conneries de faites. Et le chauffeur qui est derrière moi. Va être emporté par, c'est quoi le emporté par le vent. Alors voilà, maintenant, voilà. Alors maintenant, je vais passer mon téléphone à l'arrière et je vais rouler, je vais essayer de rouler. Je vois rien que je filme avec le soleil. Qu'est-ce qu'on a là-bas? On a pas fait. C'est l'auditorium qu'on n'a pas fait. L'auditorium, on n'est pas allé. C'est sûr que c'est pas le même cinéma que pour aller voir les autres. Hein. Ça va être sympa.
Moi, c'est une expérience que je fais. Mais nous voilà arrivés aux loutres, les loutres, les fameuses loutres qu'il a fallu. Alors, je voudrais vous montrer les loutres, mais c'est pas chose facile parce que, alors voilà, voilà le spectacle, vous comprenez. Il faut arriver à se rapprocher de la glace, mais voilà. La problématique, elle est là. Elle est là, la problématique. C'est que... alors là, on a une loutre qui dort, semble-t-il. Mais on y voit goutte là-dedans. On y voit goutte. Et alors tout à l'heure, il n'y avait personne en bas. Maintenant, il y a plein de monde en bas. Et bien évidemment, et ben, on est dans le fauteuil. Et voilà ce qui se passe. Et dans ce cas-là, il n'y a pas d'autre chose à faire que d'attendre. Les loutres de mer, on va aller les voir là. C'est moins vivant, mais... Alors il y a tout un, toute une exposition sur les loutres de mer. Mais c'est vrai que le plus sympa serait-il de pouvoir les voir de plus près. Bon, c'est pas très grave. On va faire demi-tour, essayer de se rapprocher une fois. Non, là-bas, il n'y en a pas, je crois. Non, il n'y en a pas, là. C'est des poissons, mais c'est pas des loutres. Elles sont là, les loutres. Elles sont là. Elles sont là, mais elles sont là, mais c'est pas facile de les voir. Maman, il y en a une qui a fait sa toilette. Il y en a une qui dort. Il y en a une qui dort et l'autre qui fait sa toilette. Attends, c'est bon. Baisse-toi.